Comment est-ce que les musulmans prient Comment devient-on juif Dans un lycée autrichien, un imam et un rabbin répondent aux élèves sans aucune réserve, offrant une leçon d'amitié qui n'a pas été ébranlée par le conflit au Proche-Orient. Les questions fusent car leur visite fait sensation dans cet établissement de la rue Franklin, dans la périphérie de Vienne, où ceux qui voulaient participer étaient tellement nombreux qu'il a fallu retransmettre en direct l'événement dans les classes. Plus de 150 élèves âgés de 16 à 18 ans font face à ces deux barbus souriants habillés de noir, qui ont pris place deux heures durant dans le grand hall bleu ciel, l'un coiffé d'un kufi et l'autre d'un borsalino. Le rabbin Shlomo Hofmester, 48 ans, a fait la connaissance de l'imam Ramazan Demir, 38 ans, il y a dix ans lors d'un projet de dialogue interreligieux et intervient depuis avec lui auprès des adolescents. Leur duo bénévole, qui a déjà voyagé ensemble en Turquie, en Israël et dans les territoires palestiniens, est très demandée par les équipes pédagogiques parce que, à elle seule, notre amitié peut démentir les lieux communs, détaille l'imam à la bonne humeur communicative. Allah les cachère. La semaine dernière, Shlomo dînait à la maison avec ma femme et mes enfants, explique-t-il aux élèves, en affirmant que l'antisémitisme n'a pas sa place dans l'islam et qu'il y a aussi beaucoup de bêtises qui sont dites sur les musulmans. Le catholicisme est la principale religion des 9,1 millions d'habitants de l'Autriche, Devant l'islam, tandis que le judaïsme ne compte que 5400 pratiquants. Mais l'auditoire est beaucoup plus varié dans ce lycée d'un quartier populaire accueillant 1200 élèves de 63 nationalités différentes. Certains n'ont jamais rencontré un juif, l'établissement n'en scolarisant pas à sa connaissance. D'autres sont agnostiques ou veulent en savoir plus sur les pratiques religieuses. Comme Karim El-Ghazal, qui veut absolument savoir quelle est la différence entre halal et kasher. À chaque fois, les curieux reçoivent une explication, même quand le débat s'aventure sur un terrain plus politique. Depuis le début du conflit entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas, ces ambassadeurs de la paix sont encore plus sollicités, dans un contexte de recrudescence des actes antisémites et antimusulmans en Autriche. Une trentaine de visites sont prévues jusqu'en juin, sous le parrainage de la ville de Vienne. Contre les prêcheurs de haine. Un élève demande si leur amitié a été affectée par la guerre. Il faut séparer le religieux du politique, tranche Shlomo Hofmester. Ce n'est pas une guerre religieuse, c'est un conflit politique, un terrible conflit qui ne doit pas se répercuter sur nos communautés dans d'autres pays, dit-il, refusant un monde en noir et blanc. Un discours qui passe bien et suscite des applaudissements, le rabbin comme l'imam insistant sur les nombreuses raisons d'une coexistence heureuse et maniant volontiers l'humour pour détendre l'atmosphère. C'est intéressant de voir à quel point les religions se ressemblent réagit dans l'assistance estella dola mission réussie pour l'imam qui cherche à briser les préjugés surtout auprès des jeunes car on peut encore les marquer selon la proviseure injouxle cette rencontre d'égal à égal favorise la tolérance et permet de transmettre beaucoup d'informations en complément des cours de religion obligatoires en autriche D'autant que les élèves vont sinon chercher des réponses sur les réseaux sociaux ou des experts autoproclamés récemment convertis, des prêcheurs de haine leur expliquent ce qu'est l'islam, rappelle Ramazan de Mir. Après notre départ, les élèves ne se souviendront peut-être pas de tout ce qu'on leur a dit, admet Shlomo Hofmester. Mais ils se rappelleront qu'un imam et un rabbin étaient venus dans leur école et qu'ils s'entendaient bien.